Ce résumé vous est proposé par Nissan et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Avec Perez. Oh, elle est pas mal, Handanovic là, qui touche ce ballon et qui le remise dans l'axe. C'était pas super, super judicieux ça comme intervention. Attention à cette récupération, la Vecino qui décale Lukaku. Allez, la frappe, le crochet, c'est pas mal. Et maintenant, oh non, ce ballon qui a été dévié. Retour, hein, retour défensif encore une fois de l'anglais. Il avait fait le plus dur là, Johan Romelu Lukaku. Il avait fait ce qu'il devait, je crois. Il a fait le crochet et puis il a voulu enrouler le deuxième poteau. Et regardez Lautaro Martinez, là où il est bon aussi avec Lukaku. Le contrôle, le décalage, il est pas mal, la frappe, oh ! L'arrêt de Neto. Besoin de sentir le ballon, le français avec cette passe. Oh, les superbes tranchants des buts. C'est incroyable le cynisme du FC Barcelone là sur cette action avec Carlos Pérez à la finition, mais surtout Griezmann avec une passe laser. Oui, passe laser, mais aussi l'infiltration de Vidal. Hein. Il faut dire ce qu'il est, Vidal. Dès que Griezmann décroche, lui, il plonge en profondeur. Regardez, c'est lui qui joue bien de son corps. Y avait-il hors-jeu ? De toute façon, il y a le VAR, donc on va le revoir. Mais ça vient du défenseur, non ? Difficile à dire sur cette. Je crois que c'est Godin qui dévie le ballon. Hein. Umtiti d'anglais là au point de pénalty. Il y a votre fameux duel en préparation avec Umtiti d'anglais. Oh là là, quelle occasion là pour le FC Barcelone et pour le défenseur central français. L'extension et le contrôle. Oh, c'était sensationnel de la part de Lautaro Martinez. Magnifique. Ouais, il fait un super enchaînement, vous voyez, mais là, en une passe, on arrive devant et il y a un enchaînement extraordinaire. Mais quel arrêt aussi. Ouh, Lukaku ! Là, voilà l'égalisation, on l'attendait dans ce type de match, Romelu. Il est là et il permet à l'Inter de revenir et d'y croire. C'est juste avant la pause. Lautaro pour Lukaku et Conte sur la pelouse. Hein. Ah oui, pour fêter le but. L'entraîneur italien. Lukaku. Voilà. La petite poussée sur Todibo. Lukaku. Oh, Romelu. Ah, qu'est-ce qu'il nous rate là. C'est magnifique, Lautaro tout seul, le taureau. Oh, quel ballon au pied gauche. C'était magistral à nouveau. Quel phénomène. Phénoménal ce qu'il fait, mais bon, encore plus phénoménal si, regardez à la fin de l'action, il peut la glisser aussi à Lukaku qui a fait la différence sur son côté gauche. Regardez ici, c'est magnifique. Politano. Qui lui, avec son pied gauche, va systématiquement rentrer, essayer. Oh, ça traîne Lukaku, Lautaro, c'est but. C'est but. Oh, il y a encore hors-jeu. Il y a encore hors-jeu. C'est la troisième fois. Troisième fois, c'est vrai. Est annulé pour une position de hors-jeu, là, côté italien. C'est vrai. Mais encore une fois, hein, là, on voit Lukaku hors-jeu. Ouais. Vidal. Avec Fatih. Oh, c'est but. Oh, qu'il est beau. Il est au jeu depuis une minute. Il va donc
envoyer l'Inter en Europa League, ce jeune gamin qui rentre dans l'histoire du FC Barcelone comme le plus jeune buteur du FC Barcelone en Ligue des Champions et le plus jeune buteur tout court de la Ligue des Champions, Ansu Fati. Et avec le relais de Suarez, hein, parfait. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.